Moi, c'est la sœur Prisca, sœur de Saint-François d'Assise. Nous sommes à Mohamedia, au Maroc. Bon, c'est une grande joie pour moi que le pape vient jusqu'à nous, au Maroc, ici, pour nous partager son message. C'est une grande joie et une, pour dire, quelque part, nous encourager à vivre dans ce pays avec ce peuple qui nous accueille, malgré notre minorité, à témoigner de notre vie de chaque jour. The visit of Pope in Morocco is very important, and we prove that Muslims and Christians, we are brothers and we can live together as brothers in this country. Je suis Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala au Cameroun. Voilà, je suis venu pour accueillir le pape qui rend visite au peuple du Maroc. Et ici, j'ai des missionnaires, j'ai envoyé des prêtres ici qui travaillent. Et je suis très heureux de participer à ces rencontres. Et quelque chose de très important, c'est sûr que nous avons l'enseignement, mais le pape vient vraiment comme un messager de la paix. Il vient donner l'espérance à notre monde. Je prends un exemple précis. La visite aux migrants, ces gens qui ont quitté leur pays, qui cherchent un avenir meilleur. Ils ne savent quoi faire. Et nous le savons tous, le pape est très sensible à ces problèmes. Et il est intervenu déjà plusieurs fois. Et je retiens quelque chose de très important, ce qu'il vient de nous dire, qu'il faut vraiment créer une fraternité dans le monde. Je suis Bernard Davoust, je suis à Marseille et je suis venu spécialement à Rabat pour la visite du Saint-Père, accueilli par le roi du Maroc. C'est la première fois que je viens au Maroc, je suis très fier. J'aime maintenant le Maroc beaucoup, en particulier parce que le roi a invité donc le Saint-Père. Et à Marseille, on est habitué au dialogue interreligieux. J'ai beaucoup de collègues qui sont algériens, maghrébins, et ce sont de grands amis. Et ici, depuis que je suis au Maroc, depuis trois jours, je m'aperçois aussi que les Marocains sont très accueillants et qu'avec le pape, ils ont fait le maximum pour l'accueillir. Je suis très honoré en tant que chrétien de cet accueil et aussi de la manière dont l'Église catholique au Maroc se développe avec la jeunesse de l'Afrique subsaharienne. Je suis Monseigneur Vincent Landel, archevêque émérite de Rabat. Donc j'étais à Rabat jusqu'au mois de mai dernier et depuis je suis à la retraite en France. Et donc je suis très heureux de cette visite du Saint-Père et en particulier des paroles qu'il nous a dites tout à l'heure, hein, qui sont des paroles que nous tous, chrétiens et musulmans, nous devons entendre. Nous disons qu'on doit se rencontrer, qu'on doit s'estimer, mais que l'on ne doit pas chercher à faire du prosélytisme. Nous sommes ensemble des égaux, marchant sur un chemin vers Dieu.